Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors désolée, je suis pas dans ma chambre, là je suis chez ma tante. Alors là c'est la chambre de ma cousine, alors désolée pour la lumière. Et il y a mon cousin aussi avec moi. Alors on va pas vous faire une vidéo rigolade, on va vous dire tout de suite. D'accord, c'est une vidéo qu'il faudra prendre au sérieux. Parce que voilà. On va vous répondre pourquoi je ne veux pas soutenir Jackie. Certes, Jackie est en prison. Ça peut faire mal au cœur pour lui. Mais... quand on fait une bêtise, on paye. On récolte ce qu'on le sème. Voilà. C'est plus approprié de nos jours. Mais comme toi, tu es à retarder. Alors toi, je sais pas ce que j'ai fait pour toi. On doit garder notre sérieux. Voilà. Alors, certes, il m'a amené des abonnés. D'accord. Je suis d'accord de ça. Il n'y a pas de souci. Merci pour lui. Les sources, du coup, ils sont. Pourquoi tu vois, toi? Désolé, on apprend à fou rire et tout. Voilà. Certes, il m'a amené des abonnés, tout ça, mais Jackie, c'est une mauvaise personne. Personnellement. Très mauvaise personne. Vous voyez? Et je vais vous raconter deux histoires en une. Déjà, je vais vous raconter la mienne. Jackie, lui, m'avait invité sur un live. Il s'est moqué de mon physique. Il disait des mots que je ne connaissais pas. MST. Maladie sexuellement transmissible. Voilà, alors avant de mettre un commentaire en disant t'as eu des MST, mon petit gars, tu vas chercher sur un dictionnaire et ou sur internet, hein, d'accord? Parce que MST ça veut pas dire abonné, d'accord? Et nazi ça veut pas dire gentil, c'est l'armée de Hitler, ok? Oui, on a la garde personnelle de Hitler, c'est voilà. Voilà, et Hitler, excusez-moi, ça fait combien d'années qu'il a existé, lui? Que je j'en sais, non, mais moi, mon histoire, j'écoute pas, alors que si tu veux que je te réponde. D'accord, bon, on s'en fout d'Hitler, mais... Il a fait des mauvaises choses, lui aussi, donc... Voilà, alors, Jackie dit que lui, il est nazi. Moi... Nazi de quoi? Il serait lui, les nazis, la plupart du temps, ils sont blancs aux yeux bleus. Il est blanc aux yeux bleus, lui? Non, je crois pas. Imbécile, va. Il est fou, lui. Je suis nazi. Non, mais qu'est-ce que tu es nazi? Et si vous voulez, lui, on m'a accusé de dire oui, il faut que tu rendes l'argent aux abonnés. Alors que c'est faux. Moi, je n'ai rien gagné. C'est Jackie qui gagne de l'argent envers vous. Parce qu'il a 30 000 abonnés. Oui, oui, mon cousin et moi, on a regardé. On était choqués qu'on a vu le prix. Lui, il se fait de l'argent par YouTube. Ça, j'ai rien à dire. Ça, c'est un choix personnel. Voilà. Et en plus, ses abonnés font des dons. Ça va là? Ça va la vie pour lui ou ça passe comment? Et après, il se plaint parce qu'il est en prison. Bah mon gars, t'as qu'à payer un bon avocat et peut-être tu sortiras. On veut bien dépenser tes sous dans la bière, toi tu payes voilà. Un bon avocat. Oui, on va vous dire pourquoi la bière. Parce que lui, il se bourre la gueule, désolé. En plein live. Et il le vomit aussi. S'il te plaît, je viens de manger, épargne-moi les détails. Oui, oui, mais tu vois, je te le dis quand même. Bon, après, il fait le monde et tout, mais bon, c'est vrai que certains propos sont choquants. Voilà. Et après, là, on n'a rien contre lui, hein, on dit juste la vérité, quoi. Voilà, nous, on dit la vérité. Et moi, je veux qu'on arrête de me parler de Jackie. Et on m'a dit, oui, tu sors pas avec Jackie. Non, je crois pas, moi. Je te jure, ils m'ont dit ça. Je te jure, Chris. Non mais moi, je ne sors pas avec ce genre de personne, d'accord? Et là, on va vous raconter deux histoires. De faits réels, avec voilà. Des témoignages et tout. Oui, et vous inquiétez pas, je vous montrerai des capteurs d'écran là. Alors, les deux personnes concernées, ils ne veulent pas que je dise leur identité. Je peux totalement comprendre. Alors, si vous voyez des espèces de grabouillage sur les noms, c'est normal, d'accord? La fille... elle était sortie pendant 3-4 mois avec Jackie, d'accord? Et Jackie, lui, il a demandé de faire des photos dénudées. La chose qu'il ne faut pas faire. Parce que vous croyez que lui va garder pour lui? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Après, pour toutes les petites, hein, quand vous voyez qu'il y a un garçon qui vous dit donne-moi une photo de toi dénudée, ne le faites pas. Voilà. Parce qu'après, cette photo, elle va tourner, c'est vous qui allez avoir la réputation de pute. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire qui s'est passée avec Rihanna. C'est ton con qui me l'a raconté. Il n'y a pas longtemps, elle sortait avec un garçon.
Elle lui avait envoyé une photo où elle écartait les jambes toutes nues et où elle faisait des trucs bizarres. Et le jour où elle a plaqué son mec, il l'a publié partout sur Internet. Oui, il s'est vengé. Et la fille, elle a essayé de lui parler, de le contacter et tout ça. Vous voyez, ça, c'est très grave. Au nom de la loi, elle peut porter plainte. Et elle m'a même dit, tu m'as poussé à le dire à mes parents et que ses parents n'étaient pas au courant. Et elle m'a donné l'autorisation que je vous dise. Et là, son cousin, lui aussi, comment je peux dire ça sans être vulgaire? Bon, laisse-moi. Ouais, pour son cousin, toi, t'es mieux placé que moi. en fait, le gars, je sais pas pour ses abonnés si vous avez vu des vidéos où il se foutait de la gueule des homophobes, j'allais dire, Les des homosexuels. homosexuels. Et en fait, le gars qui se dit soi-disant homophobe, il demande au cousin de la jeune fille de lui faire une pipe Et en live. voilà. Et s'il ne le faisait pas, il allait briser le cœur de la cousine. Et le cousin, c'est obligé qu'il ne le fasse pas. Parce qu'il a du respect pour sa cousine. Et puis même, le gars, s'il fout, il est hétéro, donc Bah oui. qu'est-ce qu'un hétéro va faire une pipe à un autre mec? Bah ouais, ça aussi. C'est pareil, je me demande, Jackie, s'il n'a pas des tendances pédées lui aussi. Mon cousin est homosexuel, voilà pourquoi il peut se permettre de parler comme ça. Je préfère vous le dire. Mais ils le savent depuis que je fais des vidéos Oui, avec mais toi. non, parce qu'il me dérange pas. Puisqu'hier, je me suis fait draguer par un certain LOL. Alors voilà, faut faire vraiment attention. Et je pense pas que Jackie va vous faire des concours. Moi, si un jour j'ai de l'argent, je vous ferai des concours. D'accord? Faut pas vraiment prendre exemple sur Jackie, parce que Jackie, c'est pas une très très bonne personne. D'accord? C'est Bon, tout après, il fait bien son travail, il fait rire le monde et tout, mais derrière, Voilà. voilà quoi. Pourtant, ce mec, avec tous les trucs qu'il fait, il pourrait être cool, ça pourrait être un bon mec, quoi. Un bon mec, du genre pas casser les gens et tout comme il le fait, c'est bête d'en arriver là. Bon, après, espérons que quand il aura fini sa prison, ses jours de prison, il se sera calmé. D'ailleurs, je souhaite, même si on le porte pas dans notre cœur, on souhaite à personne d'aller en prison. Hein. C'est l'enfer, hein. Après, ça dépend dans quelle prison que tu vas aussi. Non, 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 dans toutes. Il va se faire violer et tout, faut pas croire. Hein. Les garçons qui sont en prison, qui sont gays. Et quand ils vont l'attraper, ils vont l'attraper à plusieurs. Et ils vont lui passer dessus, faut pas croire. Hein. T'as des choses encore à dire de Jackie ou pas? Non, non, moi je le connais pas personnellement, donc. Voilà, en tout cas, moi en tout cas, j'ai fini. Oui, la vidéo elle est courte. Elle dure 7 minutes 53. Alors, on vous fait plein de bisous et à bientôt. Ciao, ciao.